J'espère que vous allez bien. Donc moi ça va. Je vous présente ici mon menu de Pâques, ok? Si vous êtes chrétien, une joyeuse Pâques, ok? Et voilà, donc je vous présente ce que moi je mange avec ma famille, qu'est-ce qu'on mange nous pour Pâques, ok? Donc c'est le menu de Pâques que je vais vous présenter ici. J'ai cuisiné le sauce pois qui est l'haricot et l'haricot blanc que j'ai blindé. Donc là ici je vais faire le poisson, ok? La marmite que j'utilise, c'est une marmite de chez Lagostina. Ok, Lagostina, c'est une très bonne compagnie qui fait des marmites, mais des très bonnes marmites, des marmites solides. Donc moi, j'achète souvent les marmites. Lagostina sont des très bonnes marmites. Donc je cuisine souvent avec. Donc voilà, très jolie marmite. Ok. Si vous avez, par contre, si vous voulez acheter, comme je disais, vous pouvez acheter. C'est des marmites Iron. Ok, regardez, c'est très bon ce genre de marmite. Ça garde, ça donne une bonne saveur à la nourriture. Ça garde la chaleur et ça donne une très bonne cuisson. Donc, c'est des très bonnes marmites. Comme j'ai dit, c'est l'Agostina qui le fait, qui fait la marmite en question. Donc, j'aime bien. Comme je vous ai dit, je cuisine le menu de Pâques chez moi, ok? Donc je vais vous présenter. Comme j'ai dit, j'ai déjà cuisiné le sauce pois. Là, il me reste à faire le poisson, ok? Le poisson, je l'ai nettoyé avec le vinaigre blanc de chez les Chinois, ok? Dans les magasins, je sais pas, asiatiques, ok? Ce vinaigre, ce genre de vinaigre, je trouve que ça nettoie bien le poisson et ça enlève aussi l'odeur de poisson. Ok? Ça enlève l'odeur de poisson. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Et aussi le citron. Ok? Quand tu n'as pas de vinaigre, tu n'as pas de citron, ben, tu ne manges pas le poisson en fait. Ok? Sur le poisson, il faut bien le nettoyer. Il faut bien le nettoyer. Regardez. Très bien nettoyer. Ok, le poisson est très propre, très 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 net, bien nettoyé. Pour nettoyer les saletés de poisson qui sont ici au milieu, utilisez la brosse à dents, pas la brosse à dents que vous avez dans votre salle de bain. Achetez une brosse à dents et puis frottez ici avec. Ça, c'est un truc, ça enlève le sang qui est ici là, sur l'os. Ok, donc utilisez la brosse à dents pour nettoyer ici, là, au milieu du poisson, afin de retirer le sang qui est sur l'os. OK? Donc, vous pouvez aller chez Dollarama, vous achetez une brosse à dents, et c'est très facile. Ne prenez pas votre brosse qui est dans la salle de bain, please. OK? Donc, pour faire mon bouillon de poisson, qu'est-ce que j'ai besoin de l'oignon. OK? J'ai besoin de l'oignon. Je vais garder un peu ça. J'ai coupé mon oignon. C'était quand même gros. Ok. Ça là, je garde un peu. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Le cube. Ok. Je vais tout mettre à la fois. Je mets le cube. Je mets le bouillon de poulet. Ok. Je cuisine beaucoup avec le bouillon de poulet. C'est le bouillon de poulet, mais je le mets dans le poisson pareil. So, it doesn't matter. Donc, je mets le bouillon de poulet comme ça. Je mets le poivre. Ok, j'ai le poivre avec moi. Le poisson, ça prend du poivre pour enlever l'odeur. Ce poivre, je pense, je ne sais pas si je vous ai déjà montré ça ici, mais je l'achète chez Winners. C'est une combinaison de poivre rouge, noir,
bagage, you know. So, c'est un très bon mélange et ça sent très bon. Ok? Donc, je mets le poivre. Je mets un peu de sel, pas beaucoup. D'habitude, je fais mes assaisonnements, mais là, je n'ai pas d'assaisonnement, so je fais juste ça comme ça. Et puis là, maintenant, je vais mettre ces assaisonnements-là. Ok, ce sont des assaisonnements tout usage. Il y a l'ail ici, les feuilles, puis tout ça. C'est un très bon mélange. Ça sent très bon. Ok, donc je vais mettre ça aussi. Je vais mettre le persil. Ok. Je vais mettre le thym. Ok. Je vais mettre le céleri. Ok. J'ai le beurre. Voilà, donc je vais couper un peu de beurre et je vais mettre ici. Le citron. Donc ça, c'est un poisson que... C'est le poisson rose. J'aime bien le poisson rose. J'aime bien le goût. Donc voilà, c'est ce poisson-là que je cuisine souvent. Je vais ouvrir maintenant le feu. Moyen, pas beaucoup, parce que sinon ça va brûler. Et c'est pas ce qu'on veut. Je ne mets pas d'eau, parce que l'eau que j'ai utilisée pour laver le poisson est encore ici. Donc voilà, je garde cette eau là pour faire bouillir le poisson à petit feu. Ok les amis, donc voilà, je vais couvrir. Je vais couvrir et on va garder ça comme ça peut-être au moins 15 minutes. Ok, donc voilà. En attendant, je vais nettoyer à côté. Je voulais aussi vous montrer, quand vous faites le poisson, quand vous cuisinez, moi j'ai toujours mon diffuseur, ok? Si vous n'avez pas de diffuseur, je vais juste vous montrer un truc. Si vous n'avez pas de diffuseur et que vous cuisinez le poisson, les histoires qui ont une forte odeur, ok? Faites cuire le café. Faites cuire le café à côté. Ok? Faites cuire le café à côté. Donc, tu peux juste prendre une cuillerée à soupe de poisson, de café. Et puis, tu le fais bouillir à côté. L'odeur du poisson élimine les odeurs dans la maison. Ça va bouillir et ça va camoufler un peu l'odeur. Et après la cuisson, tu peux changer, tu mets encore une cuillère de café dans un bol à côté, dans une petite marmite à côté. Tu fais bouillir et ça va aider pour éliminer les odeurs dans la maison, ok? Parce que souvent, c'est pas tout le monde qui a un diffuseur et voilà quoi. Donc, les diffuseurs, c'est... ou bien parfois tu as ton diffuseur aussi, mais tu n'as pas acheté tes huiles essentielles. So, les huiles essentielles, ça coûte pas moins cher, ça coûte cher. So, parfois tu n'en as pas. Donc ça, c'est un truc. C'est le moment d'ouvrir les portes, il commence à faire beau. So, même quand tu fais le ménage, tu veux garder la maison fraîche, fais bouillir le café le matin. Et voilà, ça parfume bien la maison. Donc, je vais nettoyer la place.
Je ne sais pas qu'est-ce que vous mangez chez vous pour Pâques, mais en tout cas, chaque communauté a une tradition pour Pâques. Donc chez moi, sauce pois, du riz blanc avec le poisson. J'ai déjà mon riz blanc, donc je ne fais pas le riz aujourd'hui. OK? Bouge seulement la marmite comme ça pour que ton poisson ne colle pas. Et tu utilises ce genre de cuillère ou bien les cuillères en bois, ça aide aussi pour que le poisson ne puisse pas coller. J'espère que vous allez très bien fêter chez vous. J'espère que vous allez très bien fêter chez vous. Car chez moi, en tout cas, c'est bon. Ça va sentir très bon. Et à côté, je fais bouillir le café, je vais vous montrer le café. Ok, j'ai juste mis le café dans l'eau et je fais bouillir le café. Ok, achetez n'importe quel café que vous voyez, que vous voulez. Moi, j'achète n'importe quel café et puis je fais bouillir le café en même temps que je fais, je cuisine. Ça aide. Comme je vous ai dit, le café, c'est pas seulement pour quand vous faites à manger. Vous pouvez aussi faire bouillir le café quand vous faites le ménage. Ok? Un bon matin, vous vous réveillez, vous ouvrez les fenêtres, les portes, faites bouillir le café. Ça aide beaucoup dans la maison. Quand tu fais bouillir le café, ça donne très belle odeur dans la maison. La maison est très bien parfumée. Ok? Donc, je vais vous montrer mon sauce pois à côté. Voilà, donc ça, j'ai déjà fini, c'est déjà cuit, ok? C'est l'haricot blanc que j'ai blendé, j'ai passé dans le blender et puis j'ai tamisé et ça nous donne ce genre de sauce-là qu'on va manger avec le poisson et le riz blanc. Donc ça, c'est le menu de Pâques, ok? C'est très bon. Très nutritif, ok. Alors voilà, ça c'est le sauce pois. Et le poisson aussi est en train de bouillir à côté. Donc voilà, mon poisson est en train de bouillir. Je veux juste checker. Très 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 bon poisson. Ok. Voyez?
tu checkes seulement comme ça. Comme je vous ai dit, le problème parfois c'est le feu, ok? Parfois ça brûle parce que tu as mis beaucoup trop de feu. Regardez, il y a encore un peu de jus ici. Ok? Donc tu fais bouillir d'abord avec, avec l'eau avec lequel tu as fait, tu as lavé ton poisson. Donc tu fais bouillir avec ça. Là maintenant, je vais ajouter un peu d'eau. Donc c'est mon menu de Pâques, les amis. C'est mon menu de Pâques. Voilà, on ajoute de l'eau, pas beaucoup, parce que c'est le poisson, hein, c'est pas la viande, donc ça ne va pas bouillir ici pendant 2 heures. Voilà. Très bon poisson, ça sent très bon chez moi, ok? Moi c'est comme ça, c'est mon menu de Pâques. Je sais pas chez vous qu'est ce que vous avez comme tradition pour Pâques, mais comme j'ai dit, chaque communauté a sa tradition. Donc pour Pâques on mange le poisson, mais la majorité des chrétiens mangent le poisson pour Pâques, ok? Regardez moi ça, très belle sauce. J'espère que vous allez reproduire ça chez vous. Ok, donc je vais fermer. Comme je vous ai dit, les marmites comme ça, j'aime bien. Vous voyez, j'ai aussi une autre marmite ici qui est presque pareil. Donc moi, je cuisine beaucoup. Je cuisine beaucoup avec ça. Je cuisine beaucoup avec ça. Donc j'aime bien les marmites iron comme ça à cause de... Je vous ai montré ça ici, ok? Ça garde la fumée à l'intérieur et ça apporte une très bonne saveur. Comme j'ai dit au début, c'est l'agostina qui fait ça. L'agostina fait de très bonnes marmites, que ce soit des poils ou quoi que ce soit. En tout cas, ce sont de très bonnes affaires. Très belles marmites à acheter, ok? Je vous recommande de les acheter. C'est un petit peu lourd. Ça pèse un peu, mais bon, vous voyez, non? C'est cute, c'est joli et j'aime bien la couleur orange. Je sais pas. En tout cas, moi, j'aime bien ce genre de choses. Comme je vous ai dit, c'est le poisson. J'ai ouvert mon fan, c'est pas grave, mais faites cuire le café, ok? Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même café que moi. Moi, ce café-ci, je l'achète chez Winners. Ça m'a coûté 8 $. Chez Winners, ok? Je l'ai acheté 8 $ chez Winners. Mais t'es pas obligé. J'aime bien l'odeur d'espresso. Ce sont des grains, ok? Donc tu l'achètes. Ça sent très bon. Le café sent très bon. J'ai vu quelque part quelqu'un qui avait donné, une personne qui avait donné un truc que quand tu fais à manger, par exemple, tu fais bouillir les tripes ou bien le poisson. Tu coupes l'oignon et tu mets l'oignon autour, ça diminue l'odeur. En tout cas, moi, pour moi, ça ne marche pas. S'il y a quelque chose qui diminue, qui casse l'odeur dans la maison, c'est le café. Ok? Le café, c'est un bon truc. Donc, pendant que tu fais à manger, mets une autre marmite à côté qui est en train de bouillir. Le café, l'odeur du café va casser l'odeur du poisson. Et quand tu as fini, change et fais bouillir encore. Tu nettoies, tu fermes le feu, tu fermes tout et puis tu fais bouillir le café après avoir cuisiné. Donc quand tu as fini de faire la cuisine, tu fais bouillir le café et pendant la cuisine, tu peux aussi faire bouillir le café. Mais sinon, si tu mets seulement l'oignon sur le couvercle de ta marmite, l'oignon là, ça va cuire. Ok, en tout cas, pour moi là, l'oignon va cuire et toi, tu n'auras pas les résultats que tu veux, surtout quand on parle des tripes ou bien le poisson,
Ça sent très bon, ok? Moi, j'utilise beaucoup les diffuseurs. Mais si vous avez des diffuseurs, c'est bon. Mais parfois, comme je dis, vous pouvez avoir des diffuseurs, mais vous n'avez pas les huiles essentielles. Parce que les diffuseurs, ça ne prend pas d'eau. Ça prend les huiles essentielles. So, les huiles essentielles coûtent cher. Parfois, il y a 3 dans un paquet et ça coûte 20 $. Vous voyez, non? Donc, les huiles essentielles ne coûtent pas moins cher. Si tu peux trouver les huiles essentielles, tant mieux. Si tu ne peux pas les trouver, en tout cas, le café, ne lâchez pas. Tu n'es pas obligé, comme j'ai dit, d'avoir le même café que moi. Moi, j'utilise le café Nespresso, mais j'ai ma machine à café. Donc voilà, j'utilise les cafés avec des trucs comme ça pour mettre dans ma machine de Nespresso. Donc ce genre de café-là, je les achète juste pour parfumer ma maison. J'aime bien quand ça sent le café, ok? Parfois, je me lève le matin, je viens juste faire bouillir le café sans que je puisse boire. Je bois le café quand j'en ai envie. Je ne suis pas une buveuse de café, but, you know, parfois, de temps en temps, ok? On va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Les amis, le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça, les amis, regardez-moi le poisson là. Regardez-moi seulement le poisson là. Et puis, vous voyez comment est-ce que je touche ça ici, sans pourtant que j'ai un chiffon. Bon, j'ai pas trop confiance, mais ça... Ça chauffe, mais ça chauffe pas beaucoup. Comme je vous ai dit, la marque L'Agostina fait de très bonnes marmites. C'est une très bonne compagnie. Donc, ça chauffe pas beaucoup, vraiment. Ça chauffe, mais pas beaucoup. Tu peux toucher, ok? So, regardez-moi ça, les amis. Comme je vous ai dit, on ne met pas beaucoup d'eau. Tu mets un peu d'eau, ok? Parce que ce n'est qu'un poisson. C'est pas une viande. Donc, mon sauce pois est en train de... Et ici, là, c'est déjà prêt. Et ça, ça se mange avec du riz blanc pour Pâques. Ça, c'est le menu spécial pour Pâques. OK? Si tu ne manges pas ça pour Pâques, tu n'es pas haïtien. C'est comme ça. Donc, chez moi, c'est ça qu'on mange pour Pâques. Regardez-moi ce poisson-là. On ne bouge pas trop le poisson. OK? Tu ne bouges pas trop le poisson. Sinon, tu vas l'émietter. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Très bon poisson. Le poisson rose, j'aime bien, ça goûte bon. Ok? Et comme j'ai dit, je l'achète souvent et je le cuisine aussi souvent. Ok? Mettez l'oignon, les amis. J'ai déjà vu une personne qui a fait la cuisine, qui a mis la moitié de l'oignon dans sa marmite. Ça là, c'est pas bon. Ne mets pas la moitié de l'oignon. Ok? Mettez l'oignon. Mettez ce que vous voulez. Mettez pas aussi trop d'assaisonnement, ok? Quand c'est trop, c'est pas bon, mais sinon c'est comme ça. Regardez-moi ça, bon poisson, les amis. Ouh, la couleur de ça, la couleur de ça, qui veut pas rentrer dans la caméra pour manger avec moi. Pendant ce temps, comme je vous ai dit, il y a une marmite qui est en train de bouillir à côté. Je vais vous montrer mon café, ok? C'est le café à côté. Même si j'ai mis mon fan en haut, c'est pas grave. Mais le café, c'est un bon truc qui marche très bien. Ok? Ça marche très, très, très bien, le café. Moi, j'aime bien ça. Le truc du café, là, quand tu fais le ménage, tu te réveilles. Tu fais le ménage. Tu fais bouillir le café. Ta maison va être bien, 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 bien parfumée. Puis qui est-ce qui n'aime pas l'odeur du café dans la maison? Hein, les amis? Dites-moi. On aime bien quand ça sent le café. Si tu vas dehors, tu sais que tu vas travailler ou bien tu vas faire les courses, fais bouillir le café avant de sortir. Quand tu vas revenir, ta maison va sentir très bon. Ok? Donc, voilà.
passes le chiffon parce que sinon ça reste collé. Et quand tu as fini, tu nettoies aussi. Quand tu fermes le feu, tu nettoies. Avec ce genre de cuisinière, tu dois nettoyer, ok? Tu ne laisses pas pour demain ou après-demain. Tu mets quelque chose pour enlever la graisse. Donc tu passes le chiffon de temps en temps pour que ça puisse être propre. Vous avez vu mon diffuseur? Moi, j'ai toujours mon diffuseur, ok? Je ne peux pas... voyez, non? C'est mon diffuseur. C'est toujours allumé. C'est comme ça. Mais comme je vous ai dit, je voulais vous montrer mon astuce de café, ok? C'est pas tout le monde qui peut avoir un diffuseur à la maison, mais je vous recommande d'acheter les diffuseurs. Vous pouvez les acheter en sel. Ils les mettent souvent en solde, ok? Si tu peux tomber sur un diffuseur, achète. Et puis maintenant, tu achètes les huiles essentielles. Quand tu as fini de faire à manger, start ton diffuseur, ok? Moi, je l'ai starté depuis ce matin. C'est pour ça que je ne l'ai pas fermé. Mais sinon, quand je fais à manger, ça ne vaut pas la peine de mettre le diffuseur. C'est quand j'ai fini de faire à manger. Mais puisqu'il est allumé depuis ce matin, ça, c'est pas grave, ok? Et j'ai aussi mis le café juste pour vous montrer l'astuce de café. Donc, pendant que tu fais à manger, tu peux faire bouillir le café et après avoir... quand tu as fini de faire à manger, fais aussi ton café, ok? Donc, voilà. Le poisson est prêt, ok? Je ne vais pas faire trop bouillir pour que la sauce puisse diminuer. J'avais gardé un peu d'oignon, je vais juste mettre ça comme ça à la fin, ok? Je ferme le feu. Je couvre et voilà, c'est fini. Donc le poisson est bien cuit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Ok, comme j'ai dit, je vais encore vous montrer mon sauce pois. Je vais montrer mon sauce pois. Regardez-moi ça. Trop bon, trop bon, trop bon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'haricot blanc, ok? C'est l'haricot blanc que j'ai fait bouillir et que j'ai blindé. J'ai retiré la sauce, passe dans le passoir, j'ai tamisé et c'est ça. Ça fait une très bonne sauce qu'on va accompagner avec le poisson, ok? On va accompagner avec le poisson et le riz blanc. Donc ça, c'est la tradition haïtienne. Si tu ne fais pas de sauce pois, tu ne vas pas bien fêter Pâques. Et à côté, vous voyez comme je vous ai dit, mon café est en train de bouillir. Ok? Mon café est en train de bouillir. Je ferme mon fan pour que l'odeur du café puisse... prendre le dessus en fait, ok? Donc la cuisine va sentir le café, ça va sentir propre et ça va éliminer l'odeur de du poisson, l'odeur forte du poisson, ok? Comme je vous ai dit, moi j'ai toujours un diffuseur. Ce diffuseur je l'ai depuis très longtemps. J'en ai partout les diffuseurs, ok? Depuis que j'ai découvert ça, en tout cas, moi, je ne peux pas vivre sans diffuseur. Les huiles essentielles, c'est bon pour le sommeil,
C'est bon pour, pour les nerfs. Donc, dans ta chambre, tu peux avoir un diffuseur et puis tu mets les huiles essentielles qui vont te permettre à relaxer. Tu peux aussi en mettre sur les oreillers. Ça aide à relaxer et avoir une très bonne nuit de sommeil. OK? Donc, moi, j'en ai toujours. Mais comme je vous ai dit, j'ai juste voulu vous montrer mon astuce avec le café. OK? Si vous mettez l'oignon ici, quand vous cuisinez, l'oignon va cuire. Vous allez le manger. Mais ça là, essayez et vous allez me dire merci. OK? Donc vraiment, merci. Comme je vous ai dit, mon poisson, regardez-moi mon poisson. Ouch! Très bon poisson. Très bon poisson, papa. OK? Joyeuse Pâques chez vous. Sauce poire, faites tout. Mes amis, allons manger. OK? So, le café est là. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci de partager la vidéo, de vous abonner. Et voilà. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.